ça a été aujourd'hui? Ça a bien été. Quand on est arrivé ce matin, c'était très glacé. Ce qui a plu un peu hier soir, puis il a fait froid cette nuit. Ça a changé la piste. Hein? Ça a changé la piste. C'était plus difficile aujourd'hui qu'hier. Les conditions étaient plus difficiles. Fait que, on a eu un plus long délai avant que la compé commence. Puis avec plusieurs slips et plusieurs skieurs qui ont passé dedans, la piste s'est améliorée. On a tout mieux skié plus vers la fin, là, ça s'est amélioré tout le temps. Le parcours rouge était différent, je pense. Hein? Oui, le rouge était plus tough. Le rouge était plus difficile que le bleu, ça c'est sûr. C'était tout de suite après le saut du haut, l'entrée de ligne, t'étais comme un peu surélevé, fait que tu perdais un peu le contact ski neige quand tu rentrais en ligne. Fait que c'était là que tu perdais beaucoup de temps et beaucoup de points techniques avec des petites erreurs. Mais c'est sûr que quand tu gagnes dans le rouge, c'était une bonne run parce que le bleu était plus facile, c'est sûr. Aujourd'hui, un petit peu plus difficile, mais il y a quand même Gabriel Dufan qui monte sur le podium. Ses coéquipiers aussi qui sont rendus dans la grande finale. Je pense qu'on peut être content malgré tout. Skate au Québec, on est vraiment parti sur une belle lancée en ce moment. Ça a commencé en décembre à la sélection canadienne. Alexandre Lavoie qui a gagné la première journée, deuxième compétition de l'année à la série canadienne en Ontario. Il a gagné les deux journées. Alexandre Lavoie est vraiment parti sur une belle lancée. Chez les femmes, Lauriane Desmarais-Gilbert, la sœur de Valérie Gilbert. Connaît aussi une bonne saison. Elle participe à toutes les finales. C'est vraiment une skieuse constante. Elle se rapproche tranquillement de l'équipe nationale, elle aussi. Mais je vous dirais, pour le circuit nord-américain, c'est un circuit qui est super intéressant à voir parce que les skieurs sont vraiment homogènes. Je trouve ça quasiment plus intéressant que le Coupe du Monde.